Gontier, où est la générale? Mais elle est allée au-devant de vous, mon général. Du moins, c'est ce qu'elle nous a dit. Elle est partie. Très bien. Nous divorcerons puisqu'il le faut. Lucien, tu as reçu ma procuration? La procédure de divorce n'est pas encore commencée. Comme tu peux le voir, il faudra hâter cette affaire. J'ai été assez malheureux. J'ai 30 ans, l'oubli viendra. Quoi? Vous allez quitter votre femme? Ne l'a-t-elle pas mérité? Je l'ignore. Et est-ce bien le moment de vous en occuper? Songez à la France, elle a les yeux fixés sur vous. Si elle s'aperçoit que vous agitez dans des querelles domestiques, votre grandeur en pâtira. Non, mon parti est pris. Elle ne mettra plus les pieds dans ma maison. Bonjour, mon frère. Vous voilà de retour. Avez-vous fait un bon voyage? Décevant. Bonjour, Joseph. Oh, bonjour, Monsieur Collot. Bonjour, Lucien. Notre Joséphine n'est donc pas là pour vous recevoir? La générale sera là en fin de matinée, sans doute. Elle est partie au-devant de nous, mais malheureusement, nous ne nous sommes pas rencontrés. Une femme de son rang n'a pas à courir les chemins. Elle avait attendu. Elle pouvait attendre quelques heures encore. Mais elle était peut-être pressée de se faire pardonner. C'est à croire. En tout cas, elle n'est pas là. À moins qu'elle ne soit chez Hippolyte Charles. Il n'est bruit dans Paris que de cette liaison. Tais-toi, Pauline. Et n'ajoute pas au malheur de notre frère. Je ne sais pas pourquoi je me tairais. Tout le monde sait que Joséphine a un amant et que tous deux se sont commis dans des affaires véreuses de fourniture aux armées. Il est bon que notre frère le sache. Pendant qu'il se couvre de gloire, elle nous couvre de honte. N'ajoute rien, Paganetta. Je sais tout cela depuis longtemps. Et j'ai donné toutes les instructions pour en finir avec Joséphine. On ne peut pas gagner toutes les batailles, petite sœur. Alors, monsieur de Talleyrand, vous êtes venu m'instruire des désordres du directoire? Ils sont tellement connus qu'il n'y aurait guère d'originalité à le faire. Je suis venu converser avec vous, car vous n'avez pas quitté l'Égypte, du moins je le suppose, à la légère. Je suis revenu mettre un peu d'ordre dans les affaires, c'est vrai. Je vous donne raison de le faire, mais vous n'êtes pas le seul à y penser. Ah? Qui? Vous? Moi, comme si j'avais une ambition de cet ordre. Alors qui? Je ne sais pas si ma démarche est opportune, mais l'amitié... Pas dont parler, Talleyrand. Vous n'êtes pas venu jusqu'ici pour me conter des sornettes, je vous écoute. Sieyès prépare en cachette une nouvelle constitution. Ce prêtre défroqué ne me dit rien qui vaille. Il faut que vous vous unissiez pour détruire ce qui est un obstacle pour tous les deux. Et faites vite. Barras regarde du côté des Bourbons, il a l'appui des banquiers, Ouvrard lui a fait de grandes promesses. La belle Thalien a servi de monnaie d'échange, comme vous devez le savoir. Je vous remercie, monsieur de Talleyrand. Vous êtes un ami sûr, je ne l'oublierai pas. Si je le peux, je vous rendrai ce ministère des Affaires extérieures que l'on vous a si injustement retiré. Merci, général. Vous pouvez compter avec moi. Madame, le général Bonaparte a interdit que l'on vous ouvre. Il a fait mettre toutes vos affaires là, dans la loge. Laissez-moi passer, Armand. Il faut que je voie
Ma kermériste, je ne veux pas partir ainsi. C'est moi. Ouvre-moi, je t'en prie. Bonaparte, c'est moi, Joséphine. Ta femme. Oh, tu ne vas pas me laisser seule derrière cette porte. Ouvre-moi, je t'en supplie. Si tu prenais seulement la peine de me regarder, rien qu'un instant, tu verrais que... c'est plus la même femme. J'ai beaucoup à me faire pardonner. Je traîne derrière moi des gens qui ne valent même pas un regard, je sais. Mais c'est fini. Bonaparte, il faut que tu me croies. Je veux vivre avec toi, pour toi. Je suis ta Joséphine. Regarde-moi. Je suis à genoux. Je te le dis. Voici. Je me rends. Ah, voici mon frère. Bonjour, monsieur mon frère. Que dit-on au Luxembourg de mon retour ? En apprenant la nouvelle, Sieyès, près de qui je me trouvais, a murmuré « trop tard ». Trop tard ? Tiens donc. Je crois que ton retour, lui, cause plus de troubles que de joie. Au fait, il s'est fâché tout rouge contre Moreau. C'est Baudin, le député des Ardennes, qui me l'a raconté. Moreau aurait dit « voici votre homme ». Il fera votre coup d'état mieux que moi. Brave Moreau. Je lui revaudrai cela. Alors Sieyès est furieux. Il aurait tout intérêt à se rallier l'armée et les appuis politiques, car on ne l'aime guère. Mais que veux-tu, il est dévoré d'ambition et veut le pouvoir pour lui seul. C'est absurde, n'est-ce pas? En effet, c'est absurde. Quand on s'appelle Sieyès, tu n'as pas salué ma chère épouse. Bonjour, madame.